Bonsoir à tous, nous sommes le 7 décembre 2017 et comme chaque jeudi soir 18h-18h30, c'est 01 live hebdo. Jérôme, bonsoir. Salut François, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Une demi-heure pour les fans de high-tech. Ce soir, nous allons parler tout d'abord de smartphones. On croyait avoir affaire à une petite marque de deuxième catégorie, mais voilà qu'elle ne cache plus ses ambitions. C'est la marque Honor qui dévoile deux petits bijoux. Et au nord, il y a un air de famille avec euh, une autre grande marque dont viendra nous parler Raphaël Grabli dans un instant. Alors bon, toi, tu as des smartphones, certes sympathiques, mais bon, ce ne sont que des smartphones, excuse-moi. Pardon. Moi, j'ai de, de la voiture connectée, j'ai la voiture autonome à la française, monsieur. Eh ouais, car Renault est dévoile, est en train les amis, de dévoiler son véhicule robot qui sillonnera les routes à partir de 2023. Bon, ce n'est pas pour tout de suite, mais non. Bon, ça va, on peut être un peu patient quand même. David Nogueira a essayé cette voiture et vous savez quoi Il n'a même pas eu d'accident. <laughs> Quel vénard une opération chirurgicale, pas comme les autres, avec de la réalité mixte à l'intérieur. David Noguera a testé aussi. Non, non, non. David Noguera n'a pas testé, il ne s'est pas fait poser une prothèse d'épaule. En revanche, Noémie Lefebvre-Marey est allé voir ça en direct. Reportage tout à l'heure. Parce que tu arrives à avoir une prothèse d'épaule là Moi, Ça, je... c'est une épaule, c'est un bout de clavicule, ça, monsieur. C'est un bout Ouais. Alors là, franchement, j'ai l'impression enfin, que c'est un crois. dinosaure. Je crois. Enfin bon, c'est pas grave, on verra ça tout à l'heure avec Noémie. Ça sera notre zoom actuel. Et puis, côté labo, les amis, on n'arrête pas la miniaturisation. Jérôme, euh, vous allez découvrir des mini PC, mais grands comme des cartes de crédit, signés Intel. Et c'est Emric Siméron, Mister PC, qui viendra nous en parler, forcément. Of course. Voilà, c'est 01 Live Hebdo. Euh, comme chaque semaine, vous pouvez interagir, poser vos questions sur Twitter, hashtag 01 Live ou sur YouTube. C'est parti. Et on commence Jérôme bien sûr, comme chaque jeudi soir, par notre question 01Net Orange. Cette semaine, la question 01Net Orange porte sur la voiture autonome, précisément. Voiture autonome, qu'aimeriez-vous faire pendant qu'elle conduit C'est vrai, on va s'ennuyer, on n'aura plus à tenir le volant et à regarder la route. Vrai. Alors qu'est-ce qu'on va obligé de se parler entre passagers, ça va être horrible cette histoire. Dingue Dites-nous euh, oui. dites ce que vous envisagez euh, le plus. Travailler, dormir ou euh, prendre du bon temps je n... On ne précise pas. Hein. Ça peut être plein de choses. Regarder des films, jouer, etc. Par exemple. Alors la question Ça de cette semaine, hein. c'est la question de Jérôme. Moi, je me désolidarise <laughs> totalement de cette question. C'est mais cela dit, assez intéressante quand même. Eh Il oui, oui, faut quand même l'avouer. Bien sûr. Prendre du beau temps, c'est par exemple regarder des vidéos. Eh regarder ben, Zéro en live et deux dans la voiture. Ouais. Alors, il y en a qui pensent déjà à autre chose. Hein. C'est qui Je ne sais pas qui c'est, mais il y a eu des études. Qui ah, attention, faire. attention, les et amis. Okay. On... Alors, donnez-nous votre avis. Vous allez sur tv.com si vous votez. Et surtout, on fait le point tout à l'heure, ça va être sympa. Et cela dit, vous pourrez peut-être faire, si vous êtes dans cette voiture, faire un unboxing du cadeau que nous allons <laughs> vous offrir encore ce soir. <laughs> euh, puisque là, il n'y a pas de souci. Hein. La voiture conduit non. tout seul. Hop, tu ouvres ta petite boîte des antipodes ben voilà. D'accord que nous vous offrons, les amis Qu'est-ce que c'est que ça euh, qu -ce, que bah, ce sont <laughs> des écouteurs intra-auriculaires sans fil, Jérôme, qui fonctionnent en Bluetooth. Et ce sont des corps. marque française. cocorico. Et en plus, ce sont non seulement ces français, mais en plus, c'est plutôt de très bonnes factures. C'est un excellent produit qui a reçu de très bonnes notes au test 01Net. Et ces antipodes DivAcor, on est très heureux encore une fois ce soir de vous les offrir. Et oui, Noël arrive à grand pas. Et on essaie de vous offrir pas mal de cadeaux. Donc pour remporter ces antipodes DivAcor, il suffit d'aller sur le site de 01Net.com et vous répondez tout simplement à la petite question que nous vous posons si vous êtes tiré au sort. Ces DivAcor, antipodes seront à vous. Pardon. A noter qu'ils existent aussi en noir, ils sont très jolis en noir. Bon, ben voilà, tout est dit, super. Participez, jouez et bonne chance à tous. Alors, Alors. Raphaël Grably, bonsoir. Bonsoir. Il est là, Raphaël. Raphaël est... qui voulait voter pour dans la voiture autonome et qu'est-ce qu'il aimerait faire Il a insulter les autres automobilistes. <laughs> je suis désolé mais je suis parisien. <laughs> et je veux bien ne pas conduire. Ah oui, mais là, si on me demande de ne pas insulter les autres automobilistes. Non c'est vrai. Attends, oui, il faut, vrai, faut, vrai, faut vrai. pouvoir. Ça ah, okay. va ah, oui. t'ouvrir la fenêtre, tu te mais mets si... sur le bord. <laughs> mais si vous êtes sur le périph' parisien et que vous voyez un gars dans une smart lever le point c'est Raphaël Grabli. Voilà. C'est comme ça qu'on le reconnaît en fait. Non c'est pas vrai. Non plaisant. Il est, c est plaisant, es très courtois. Raphaël qui n'était pas sur le périph' parisien cette semaine, enfin peut-être pas tous les jours, puisque tu étais euh, à, Londres. à Londres pour découvrir les nouveaux Honor. Oui, et il y avait alors il y a le Honor 7X qui est un, le premier en fait smartphone bord à bord, enfin bord à bord il y a toujours des petits bords avec écran 18 9e de la marque qui est un smartphone vendu euh, environ, euh, qui est vendu 300 euros avec une, un remboursement de 50 euros, donc voilà qui est dans les 250-300 euros. Donc Une configuration long, hein. voilà. classique, milieu de gamme, mais euh, à très bon prix, qu'on n'a pas encore testé, mais qu'on va très rapidement tester. Et il y avait un autre smartphone qu'on attendait beaucoup plus, peut-être, qui est le Honor V10. Alors, en Chine, il a été présenté sous le nom de V10. En France, en Europe et en France, c'est le View 10. Bon, c'est quasiment, enfin, c'est ah ouais. exactement le même. Donc là aussi, on retrouve un écran bord à bord. Mais c'est la première fois que Honor lance un smartphone au format 9 e haut de gamme, entre guillemets. C'est-à-dire, et ça, ça va être très important, avec des specs. Très fournie, très puissante. Ouais, c'est une bête de course. C'est une bête de course à 499 euros. Oh, C'est-à-dire moins de 500 euros. OnePlus. 5. Exactement. Et c'est là ah ouais. où on s'attaque clairement, effectivement, au OnePlus à 5T, OnePlus. qui est sorti, lui, euh, il y a quelques semaines, qu'on a testé, qui a eu des super scores et qui a eu une super note. Alors, le vieux 10, il sort rapidement, malheureusement. J'ai envie de dire Honor loupe le coche pour les fêtes, puisqu'il arrive le 8 janvier. Ah, ça, c'est ballot. Un ah, tout petit peu trop tard. Je pense qu'ils ont essayé, mais, mais ils n'y ils, sont peut-être ils, ils sont pas arrivés. Ils, ils peut pas arrivés. Euh, après, moi, ce qui m'a intrigué, bon, déjà, j'ai pu le prendre en main quand même. Le smartphone, effectivement, il est, il est très joli. Et on va dire que ce qui le différencie, en fait, le, le, le vrai truc, c'est que c'est un Huawei Mate 10 Pro. pro. C'est ça, le vrai truc, c'est que c'est vraiment une sorte de copie. Moins cher, du Ils, se alors. Ils, se... Ils se copient eux-mêmes. Ils se copient eux-mêmes, mais ça, c'est on va dire, c'est du Honor euh, tout craché, ouais. parce que Huawei, Huawei, comme on dit, c'est la marque ah oui, euh, emblématique. Hein, depuis... Je m'entraîne, depuis... ça fait, ah oui, ça fait... Oui, oui. plusieurs années qu'ils parlent de ça toute <laughs> la journée. <laughs> donc euh, je commence, voilà. Je commence, je commence. 42e bien. conférence voilà. Huawei. Et en fait, Honor historiquement, c'est la marque un peu plus jeune, voilà, de Huawei, mais donc avec des prix plus intéressants. Avec quelques fonctions en moins. Qu'est-ce qu'on a en moins Alors là, par même. exemple, qu'est-ce qu'on a en moins Déjà, on n'a pas le dos en verre et on n'a pas les finitions du Mate 10 Pro, qui est, euh, on a pu le tester sur 01net.com, qui est un smartphone que je trouve personnellement magnifique. Oui, il est super, je trouve super, que ce qu'ils ont fait ouais. en termes de design cette année, c'est phénoménal. Le phénoménal, le Mate 9 était très bien. Je sais que David l'aime bien aussi, mmh. mais le Mate 10 Pro, c'est vraiment une splendeur. En termes de photos, ils ont passé un cap aussi. Alors, il y a le deal avec Leica qui euh, peut ouais, aider, qui n'est pas présent chez Honor qui n'est pas présent chez Honor. Il y a par exemple l'écran AMOLED qu'on qu n'a pas chez Honor. Chez Honor, c'est aussi un grand écran 18-9e, mais c'est un écran LCD. Donc on n'a pas les, les, le taux de contraste infini qu'on a notamment chez Huawei. Euh, après, ce qu'on a chez Honor, par exemple, c'est une prise jack. On a une prise jack chez Honor, donc ça c'est plutôt quand même assez sympa. Ouais. Et il y a un petit bouton, le... Et le pas chez Huawei. Et pas chez Huawei. Huawei l'a supprimé, bon, malheureusement, pour, mmh. pour, pour moi, mais bon. Et euh, on a aussi chez Honor un bouton euh, principal qui est placé quand même en façade. Ça, c'est assez rare. Souvent, quand on a un écran 18 e maintenant, le bouton et le capteur d'empreinte digitale, ils, ils le placent derrière. au dos. Mmh. Là, ils sont parvenus quand même à le loger en façade, sous l'écran. Ce qui fait qu'on peut quand même accéder à son smartphone quand il est posé sur la table. Il y a beaucoup de gens pour qui c'est un peu ennuyeux de devoir prendre le smartphone en main, Tout etc. Après. Donc, personnellement, moi, je considère que c'est plutôt un avantage, surtout qu'avec ce bouton, ce bouton principal physique, il est intelligent, c'est-à-dire qu'en appuyant une fois dessus, il fait mmh. bouton retour, etc. Il y a une mimique chez Huawei qui est très bonne, que j'aime beaucoup personnellement dans l'interface dans logicielle, et donc qu'ils qu ne pouvaient pas mettre sur le Mate 10 Pro et qu'ils ont mis euh, sur, le, sur le View 10. Donc, ça, c'est vraiment les points positifs. Après, on peut se demander aussi, pourquoi c'est un peu bizarre quand même de sortir quasiment le même smartphone avec les voilà, mêmes pourquoi ambitions. Pourquoi cette espèce de on a l'impression qu'ils vont se cannibaliser. Ils vont se, canni ils se vont cannibaliser. Voilà. Alors cannibaliser, après quoi. quand on leur en parle ils disent oui ok on va peut-être se cannibaliser mais finalement c'est pas très grave. Il vaut mieux se cannibaliser entre et... nous que et, et, et exactement après c'est vrai donc il y a des petites différences techniques, il n'y a pas le partenariat. À il faudra voir si la qualité photo est très bonne, etc. Mais il y a 300 euros d'écart en fait entre les deux. Le, v le View 10, il a à 500 euros et le Met 10 Pro est à 800. Et en mmh. fait, il y a peut-être 100 euros de composantes techniques allées en moins vraiment. Mmh. Mais les 200 euros qu'on ne paye pas, c'est le marketing, effectivement. Ouais, et donc finalement, et... le rapport qualité-prix, peu. On ne l'a pas testé encore, mais... Sur le papier, ça peut être encore plus intéressant. Juste un mot encore, c'est impressionnant quand même cette, cette offensive chinoise là, ces derniers mois. Mais euh, là, ils n'arrêtent jamais. Et en hein. plus là, là-dessus, un smartphone à moins de 500 euros, ils balancent ouais. quand même le Kirin 970, le processeur qu'ils ont sorti il y a un mois. Ouais, c'est ouais. comme si demain, ouais, ouais. on retrouvait à la fois le, la, la puce A11 Bionic d'Apple sur un smartphone à 1300 euros et sur un smartphone à. à, à, à ouais. enfin, bon, vous me direz, il est sur l'iPhone 8. Mais bon, disons avec un écran bord à bord quasiment le même à deux fois moins cher. Ouais. Ça peut être un peu étonnant. Donc là, euh, c'est vrai que c'est une, une stratégie qui est vraiment très agressive en termes de prix. Donc c'est vraiment, euh, il va falloir l'issue d'assez. Question près. sur Twitter euh, est-ce qu'il a la reconnaissance faciale comme le Huawei Alors, oui, théoriquement. Sauf que là, on n'a pas pu le tester. Euh, la fonction n'était pas présente pendant la prise en main. Okay. Donc c'est peut-être pas finalisé. Et ils ont fait une démonstration sur scène qui a complètement foiré. C'est-à-dire ah, que oui. le truc ne s'est jamais débrouillé. Oh Dieu, alors oui, je sais pas si c'était un hommage à Apple, <laughs> mais ça a beaucoup plus foiré que chez Apple. Ouais, euh, oui. Non, non, c'était pas... Mais bon, après, voilà, ça peut arriver, c'est sur scène, euh, ça peut rater. Et si ça se trouve, ce sera très bien. En tout cas, on a, il y aura de la reconnaissance faciale. Euh, on on l'a pas encore testé. Bon, très voilà, bien. Alors il y a Alia qui nous demande si euh, tu nous conseilles de l'acheter, c'est un peu trop tôt. Il faut le recevoir, il faut attendre. Je conseille d'attendre, c'est sûr. Voilà. Ne serait-ce que pour avoir en face, en choix... OnePlus 5T versus Bien sûr. Honor, euh, euh, le duel. Et un autre smartphone un peu dans le même rapport qualité-prix, qui est l'Arcos Omega, qui est en fait un Nubia, euh, Arcos qui, voilà, vrai, qui commercialise Nubia, déjà. Et qu on, qu on, qui est arrivé à la rédaction et qui est assez prometteur, pareil, 499 mm -hmm. euros. Donc il va y avoir vraiment une bataille là, en début 2018 assez intéressante sur le sur smartphone à 500, 500 euros. Haut de gamme, gamme, gamme à 500 euros. euros. Super, très bien. Merci Raphaël. Merci à vous. Et on se retrouve samedi matin, hein, mais oui, bien euh, au réveil, entre lundi et midi, sur RMC. Hein, oui, j'irai avec, euh, avec ma petite Smart en, voilà. en gueulant. Et avec <laughs> le point levé, <laughs> comme euh, c'était quelle chanteuse qui chantait le point le levé C'est Jimène Badin, non Ah, ben ben. ben. je... Ah oui. Visez Non mais il y a de la culture là. Ouais. Ouais. là. C'est aussi la, la chaîne fait, de la culture. Tout oui, tout à fait. <laughs> Merci beaucoup. Ça, culture Techno TV, euh, rien que pour vous. Merci Raphaël. Merci. Et on accueille David Noguera. Et oui. Salut David. Bonsoir. Donc. Qui lui aussi vise la lune avec ses véhicules connectés. Eh, je suis dans, dans le, le futur, futur moi, ça y est. Ça y est. Vise la lune. Je Et crois que c'était une blague, tout ça. Les applaudissements, les, les rires. Non, faut, non. faut pas ouais. exagérer quand même. Non, non, non. Ne vous forcez pas. J'aime pas quand on se force. Il faut que ça sorte du cœur comme ça. Pas grave. Bon, alors, voiture autonome euh, à la Et française oui. signée Renault. Renault, Comment Symbiose des mocards. Symbiose Democar, voilà. alors symbiose en fait elle, elle une orthographe euh, ouais. complètement Zarbi, I.O.Z hein, mais... à la fin. Oui, voilà. alors, 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 déjà le alors... fait qu'il y ait Democar dedans, ça veut dire qu'elle n'est pas prête tout de suite. En fait, hein. elle s'appelle Democar pour ne pas la confondre avec le concept car qui s'appelle aussi Symbiose, qui a été dévoilé à Francfort et qui rentrait dans cette maison, qui allait sur la plateforme en haut, etc. Le concept de Symbiose, c'est la voiture qui s'intègre dans la maison et qui devient une pièce à vivre de la maison. Voilà, ça devient. Euh, ah oui, voilà, ça c'est l'idée de base, d'où son nom de la Symbiose. Voilà, c'est un peu parce qu'à l'intérieur, dormir dans la voiture la version symbiose qui était à Francfort les sièges tournent ça devient un vrai petit salon avec du bon son qu'on va retrouver d'ailleurs là-dedans puisque accessoirement elle a un son de vialet mais ce qui nous intéresse ici c'est ce qu'on voit maintenant à l'image c'est on est sur la A13 et en mode 100% autonome, ah ouais, et donc bien, ouais. on ne touche plus à rien, et on passe une barrière de péage. Parce que c'est vrai qu'on s'en est fait quand même quelques-unes, des démonstrations de, de conduite autonome. Hein, hein. Et là, elle, on, est, on arrive, on est à 130, elle ralentit, elle reçoit les différents messages euh, qui lui invitent à diminuer sa vitesse, 110, 90, etc. Mm -hmm. Et il y a une, un, une, un système de communication wifi qui est placé en partenariat avec la SANEF, évidemment, euh, sur le, le, le bord de l'autoroute, qui lui indique quelle est la voie qui est libre de télépayage, parce qu'on sait, c'est fonction des, des flux, ces voies de télépéage, elles sont ajustées en oui, temps il réel. Il faut choisir, ça veut dire Exactement. Que la voiture qui ça. Sa... C'est la voiture qui reçoit un message ouais. depuis l'antenne Wi-Fi qui est placée à 800 mètres, je crois, quelque chose comme ça, et qui ensuite va adopter sa trajectoire, bien évidemment, en surveillant tout ce qui se passe autour. Et la grosse difficulté, eh c'est qu'à cet endroit, il n'y a plus de marquage au sol, et donc il faut commencer à superposer les données entre ce qu'elle voit avec sa caméra et ce que voient ses capteurs, et pour se localiser, et donc pour ça, notamment, ça utilise une cartographie aux définitions TomTom. -Tom. Ce qu'on voit maintenant euh, derrière nous, et on, voilà, donc là en l'occurrence à l'image, c'est qu'on était tellement bien dans cette voiture autonome qui roulait toute seule à 130, c'est qu'on a même fini par enfiler un casque de réalité virtuelle. Fou, et donc là, je me balade, et effectivement, alors, on ne va pas se mentir, il y avait... Un... Non, on ne va pas se mentir, avait... je voulais me suicider, y avait... mais y avait une personne... arrivé, en fait. Non, il y avait un instructeur euh, de chez Renault qui était à côté, hein, évidemment, qui pouvait ouais, reprendre qui la main. aveugle, rappelons-le. <laughs> non, a... c'est rigolo, il a deux joysticks, on dirait qu'il a une borne d'arcade. Ouais. Il a signé son euh... testament <laughs> juste avant, tu sais. Non, non. il avait deux joysticks. Mais c'est lui qui pilotait alors Pas du tout. Ah non, non, Il était. je peux vous dire que a fait faire la démonstration, il était... Très très concentré, évidemment. Il nous a aussi demandé tu de faire euh, très attention euh, à la voiture parce qu'ils ont eu euh, des petits des petits soucis avec euh, avec d'autres groupes. Euh, voilà. C'est-à-dire bah, qu C'est-à-dire rep... que certains ont essayé de reprendre le contrôle de la voiture alors qu'elle était en conduite autonome alors que l'instructeur leur a dit de surtout ne faites rien. Ils ont mal apprécié aussi le gabarit de la voiture, ouais. qui est quand même un véhicule assez large. C'est une, une voiture électrique, donc elle pousse assez fort quand même. Ouais. Ouais. Il y a l'équivalent de 500 chevaux, donc un, un sacré couple. Donc voilà, ils ont, ils ont un peu refait les jantes sur, euh, sur, les, ah sur oui. les, tr les trottoirs euh, oui. du côté oui, de... Ça, de, bon, de bon, ouais. est bon, ça. Donc ce, ce, qui était, ce, qui était, à Paris, ce qui était assez euh, bluffant, c'est vraiment le jour. cette démonstration avec ce passage de la borne de, de la barrière de péage qui était vraiment inédit et du changement de voie. C'est-à-dire que vraiment, elle fait tout toute seule. Elle accélère, elle freine, elle met son clignotant, fait les contrôles, elle change de voie. Il y a quand même 35 capteurs dans cette voiture. Et là, ce qui a été assez incroyable, c'est que pour un véhicule autonome de niveau 4, donc on n'est pas encore au niveau 5, elle ne peut pas encore rouler complètement toute seule sans personne à bord, et bien, c'est que tous les capteurs sont finalement super bien intégrés, on dirait presque un véhicule de série. Mmh. Les caméras, elle est au niveau du pare-brise, mais c'est discret, les deux lidars à l'avant sont sous les feux, et puis à l'arrière, il y a encore un lidar, et c'est vraiment, il y a 35 capteurs, et tous très très bien intégrés, donc on se dit, il y a vraiment un vrai progrès en deux ans, parce que mmh. voiture autonome, ça fait évidemment, Renault il travaille depuis un moment, mais ça fait deux ans qu'ils y vont à fond, et ça paye. Vraiment, on a vraiment Donc, été séduit par cette Quand est-ce qu'on peut la commander Alors là, la, la date qui est annoncée, c'est 2023. Évidemment, il euh, n'y a évidemment pas de prix qui est annoncé, il n'y a même pas de, de logique de commercialisation. Est-ce que ça sera Monsieur et Madame Tout le Monde qui va s'acheter ça Est-ce que ce sera hmm. compagnie de, de peut-être pas les de taxi, mais l'idée, 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 voilà, ça. exactement. L'idée, effectivement, là, avec ce véhicule qu'on peut quand même conduire, c'est peut-être euh, d'adresser le, le, le grand public. Mais alors, à quel prix Ouais. Ah, c'est ah, génial surtout une démonstration de force technologique ouais. parce qu'aujourd'hui c'est un peu la, la guerre des des, des, des démos techno de tous les constructeurs ouais. hein, il fallait chrono euh, déganaisien hein. exactement voilà c'est clair très très bonne surprise. mais je trouve que c'est un vraiment. côté positif parce que ma, malgré tout ça crée une espèce de d'engouement de, 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 bah, d'engouement de, de, voilà, de, et de ça, compétition ça dans mine je pense que pour tous les constructeurs là le but du jeu c'est quand même de, de montrer aussi euh, entre guillemets au gouvernement et tout ce qui tout ce qui va bien de montrer que le véhicule autonome ça peut marcher donc, donnez-nous euh, oui, les moyens ou changer des... les législations, changer les infrastructures. Il va falloir préparer les routes et l'environnement. Comme... Exactement. Ouais. Donc euh, voilà. Donc avec ce tableau de bord mmh. aussi assez incroyable L Shape qui est fait avec euh, LG, donc trois écrans euh, plastico LED sublimes et un son de viallet. <laughs> il voilà, y, 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 y a une vidéo qui, qui va être euh, bientôt publiée sur euh, sur zéro net. On l'espère ce week-end. Donc euh, voilà, on, on verra tout, 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 en tout de détail de cette euh, symbiose des Mocars. Formidable. Merci beaucoup. Merci à vous. Et le reportage bientôt sur Zéonat ouais. TV. Si, ouais. euh, normalement, ah ouais. ce week-end. Et fait. bien oui. voilà, ce week-end, vous verrez euh, David Nogueira, pas très confiant quand même <laughs> au volant non, de cette voiture. Oui, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. <laughs> non, tout va bien. Non, non, non. Euh, alors, dans un instant, on va aller au labo 01 Ouais, tiens, mais si, euh, justement, la question 01Net euh, Orange du oui, jour. C'était bien, mais quand ben oui, même, mais vraiment. Non, mais je veux dire, c'est en rapport. On parlait de voiture connectée, évidemment, hein, voilà. évidemment. On vous posait la question suivante, les amis. Alors. Euh, voiture que... autonome, qu'aimeriez-vous faire pendant qu'elle conduit cette voiture mm -hmm. Trois propositions. Euh, on ne voit rien du tout là les amis. Hein. C'est <laughs> tellement loin que même si je vais chez l'ophtalmo et que je me mets des... C'est quoi C'est bon temps. Combien prendre du bon temps en premier. Oui. 76%. À 76%. Bah oui, je les comprends. Deux, dormir. Dormir. Et trois, travailler. Trois, travailler. Il faut peut-être que les gens nous expliquent ce que travailler. veut dire prendre du bon temps sur Twitter. Non on ne peut pas, on peut pas <laughs> leur demander 8. de préciser un peu Dites-nous ce que c'est pour vous prendre du bon temps euh, dans une voiture autonome. <laughs> bon alors continuez En fait hein. la, dans la vraie vie ce sera travaillé en premier Je suis sûr, ce sera comme dans le train Je ne sais pas parce oui, qu'en fait tous quand ils présentent Je vais faire court mais tous quand mm. ils expliquent Un petit peu comment on va occuper les gens dans la voiture autonome Ils corrèlent tout ça à, à du temps de parcours euh, On a toujours une interface Qui permet de dire vous aurez x kilomètres Et donc x minutes ou heures De temps de conduite autonome Et donc la voiture va proposer de la série, du film Adapté au temps de parcours en conduite bah, autonome ouais, on... voilà. Mais c'est horrible, c'est la société du loisir et De loisiveté <laughs> bon, bah en tout cas, n'hésitez pas, vous pouvez continuer à voter bien sûr sur zéro tv.com. Ouais. Merci beaucoup David. Et à 18h20, tout de suite, c'est notre Zoom Actu. Elle est là. Oui. Mon cher et en os. C'est vrai. Sur le plateau de Zéro 1 Live Hebdo. C'est bizarre, tu imitais de génialité hein, pour oui. lui rendre hommage. Absolument. C'était pas évident hein, quand même. Bonsoir Noémie. Bonsoir messieurs. <laughs> Noémie Lefebvre-Marek, euh, avec qui nous allons parler maintenant d'opérations chirurgicales et de Mais auparavant, je tenais à vous rappeler que nous vous offrons toujours un super cadeau. Euh, avec euh, Divacor, nous vous offrons les Antipods. Ces, euh, ben voilà, ces petits écouteurs qui sont Bluetooth, qui sont sans fil. Et qui ont une super qualité de son. Euh, ils ont été très bien notés par le Labo 01net et nous vous les offrons. Comment vrai Il faut préciser euh, Bluetooth et sans fil parce que c'est deux oui. fois sans fil en fait. C'est ça, ça, exactement. Il euh, y a plusieurs appareils maintenant, hein. ça commence à être un peu la mode de ce type d'écouteurs. Et donc nous vous offrons euh, des produits 100% français, mesdames, messieurs. Alors je ne pense pas qu'ils soient fabriqués en France, mais ils ont été conçus en France en tout cas. Tout à fait. Et nous vous les offrons euh, et bien, tout simplement en vous inscrivant et en répondant à la petite question qu'on vous pose sur le site de zérohonnête.com. Euh, et puis si vous étiez au sort, ils seront pour vous ces antipodes de Divacor. Voilà, c'est dit. Très bien. Continuez à participer. A ah donc Neo Noémie Lefebvre-Barek. On parle de médecine et de santé aujourd'hui et de réalité mixte. Donc vous êtes allé euh, voir cette opération assez spectaculaire euh, oui. qui s'est passée avec du Microsoft devant euh, enfin, des chirurgiens équipés d'une manière un peu spéciale. Hein. Exactement, c'était euh, mardi dernier, donc le 5 décembre euh, à l'hôpital Avicenne de Bobigny et en fait euh, ce qui s'est passé c'est que le docteur Grégory en l'occurrence a réalisé une première mondiale messieurs, il s'agit d'une opération pendant laquelle ce chirurgien euh, était équipé d'un casque de réalité euh, mixte, un casque de réalité augmentée ou mixte, pour Microsoft c'est mixte, euh, et donc en fait euh, voilà il était équipé de ce casque et il y avait toute une infrastructure euh, technologique que je vais euh, que je vais détailler euh, et puis en plus de ça il était en visioconférence avec quatre autres chirurgiens situés aux quatre coins de la planète, en l'occurrence aux États-Unis, en Corée du Sud et au Royaume-Uni. Mais pourquoi un casque de réalité mixte Eh bien en fait, dans son casque, vous le voyez là sur ces images, il avait un certain nombre d'éléments. De, euh, de, euh, bon, en fait, il regardait lié... des séries en même temps. Il regarde des séries, voilà, c'est mmh. ça. Il regarde Netflix, il est tranquille, comme Mais ça, il est sûr. bien détendu. Voilà. Non, en fait, il a un certain nombre d'éléments. Là, en l'occurrence, on voit euh, euh, une partie de l'anatomie de la patiente qui est opérée. Il s'agit d'une opération de l'épaule. Il doit lui mettre une prothèse. Et donc là, il se sert euh, d'examens de, qui ont été au préalable réalisés, de scanners qui sont modélisés en live en 3D et donc ça lui permet en fait de visualiser le squelette de sa patiente donc là on le voit il interagit en fait euh, avec euh, bah avec ces, ces informations en, par la voix euh, ou avec ses petits gestes qu'on connaît là de mmh. ouais, le, le pinch de quoi là, le, le pincement, pincement quoi pincement, voilà ouais, ouais. le pincement et puis il a accès aussi ce qui est assez intéressant à euh, la planification de l'opération il y a une espèce de petit tutoriel qui peut suivre au fil de l'opération mmh. alors ça, ça apporte quoi de très concrètement d'un point de vue médical Alors, bah, on commence en fait à parler de chirurgiens augmentés. Alors, pour en parler le mieux, euh, je trouvais que c'était quand même euh, de laisser la parole au docteur Grégory. On l'a interviewé et il nous file une métaphore que je crois que tout le monde pourra comprendre. Ce que ça apporte, c'est pour le chirurgien d'avoir enfin son cockpit, à l'instar du pilote d'avion. Euh, lorsque vous prenez l'avion, vous ne choisissez pas votre pilote, parce que vous savez qu'il a un cockpit avec une technologie qui lui permet de standardiser et de sécuriser le vol. Jusqu'à présent... Lorsque vous vous faites opérer, vous choisissez votre chirurgien parce que vous savez que le résultat de l'intervention, il est directement dépendant des capacités du chirurgien. Et bien, cette technologie, ces lunettes qui sont en ordinateur, qui sont de l'intelligence artificielle, permettent d'augmenter les capacités du chirurgien pour sécuriser le vol chirurgical. Et à l'instar du pilote d'avion, elle donne au chirurgien un cockpit avec toutes les informations nécessaires pour parier toutes les difficultés qu'il pourrait rencontrer lors de ce vol chirurgical. Ok, et alors niveau techno, Nani, euh, comment ça se passe Oui, alors je voulais vous détailler un petit peu comment ça se passe. Alors, en effet, d'abord il y a le casque de réalité mix, le HoloLens, que vous le connaissez, donc est, il est euh, euh, décrit comme un ordinateur autonome, il n'y a ouais. pas de câble, etc. C'est très léger. donc Complètement euh, sans fil. Voilà, sans fil. Puis ensuite il y a une plateforme qui a été développée par euh, la société Terracon. et là qui permet de modéliser ce que je vous disais tout à l'heure en 3D, les euh, images euh, faites lors d'examens euh, médicaux euh, précédents. Et puis enfin, euh, et donc alors pour, juste pour dire, mais la modélisation en 3D, ça se passe par la puissance du cloud, en fait, c'est fait mmh. sur le cloud Azure de Microsoft. Et puis ensuite, il, y a, il faut répondre au défi de ramener ces images euh, dans le casque. Et donc là, on a, on, ils font appel à une société qui s'appelle Visua, qui est spécialiste du streaming, parce qu'évidemment, ces, ces images sont en très haute définition, et il ne faut pas qu'il y ait de latence, vous imaginez bien, dans, ce, dans le cadre d'une opération. Alors maintenant, il y a une question qui se pose, euh, qui est euh, la question assez sensible finalement de la sécurité du système, de la sécurité des données. Euh, qui plus est dans le monde médical, on a posé la question à Laurent Schlosser qui est de Microsoft France. Écoutez sa réponse. Comme HoloLens est un terminal ou un ordinateur euh, Windows, il bénéficie des mêmes dispositifs de sécurité. Que l'ensemble des ordinateurs qui sont d'ores et déjà aujourd'hui dans le bloc opératoire. La grosse différence, en revanche, c'est que ça vient réduire l'encombrement physique, ça vient simplifier la vie au médecin en lui rassemblant l'ensemble des informations sous les yeux. Pour le reste, c'est comme d'habitude. Voilà, donc il s'agissait là d'une première expérience euh, qui est peut-être amenée à se renouveler, mais là, c'est vrai qu'on a vu les, les, tout, toute l'équipe en fait, mmh. prendre des notes pendant l'opération, parce qu'en fait, c'était une première expérience, mais c'était aussi un test. Le chirurgien a appris pendant cette opération, mais aussi toute l'équipe, tous les, tous les spécialistes de, de ces technos. Il euh, y a des petits détails qui vont être ajustés. Par exemple, on entendait pendant l'opération que les chirurgiens étaient un peu gênés par la couleur des modélisations, qui est, qui est, donc c'était blanc. Mmh. Or, euh, Parfois dans son champ de vision, il avait du blanc donc il voyait pas très bien. Ah il y ouais, avait de des de petites pense. choses comme ça. Ouais, il y des, des petites retouches à faire. Encore. Ouais, des petites mmh, retouches à faire, mais ça préfigure mmh. quand même d'une nouvelle médecine et en tout cas d'une ouais. nouvelle mais chirurgie. c'est intéressant parce que ça, permet, ça lui permettait de voir des os qu'il ne voyait pas en vrai. Exactement. Parce que, et donc de faire des incisions moins grandes, etc. Et voilà. De, et d'ajuster sa prothèse de manière beaucoup plus précise. Quoi. Exactement. J'ai rien à ajouter. Ah ben parfait. voilà. Hein. Quel beau résumé. Merci. <laughs> merci beaucoup, <laughs> Noémie. Merci à vous. Noémie lefebvre Marek, donc de zéro net TV et euh, Jérôme avant de se dire au revoir il est temps ben oui, d'aller hein. temps... du côté du labo net oui. avec un pc mais un tout peu fin. Monde veut. tout tout fin euh, que Émeric Siméon va venir nous présenter dans un instant voilà, voilà un petit jingle d'abord et oui le labo zéro net Avec Emeric Siméon qui nous a rejoint. Salut Emeric. Bonsoir. Bonsoir. Emeric, c'est l'homme du PC sous oui, toutes ses bon. formes. Tout Parfois, fait. il nous apporte des PC monstrueux qui ne tiennent même pas sur la table. Ça. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Elle pourrait tenir dans la poche. Il pourrait tenir dans la poche. Bah, il tient dans la poche. Il tient dans la poche, oui. C'est pas vrai. Ah. Je l'ai dans la poche. Oh mon Et dieu. C'était même pas répété. Hein. Je voilà. savais pas. Ça, c'est un PC. Il vient de ça, sortir un ça. PC. Mais je ne te gine. crois pas, Emeric Mais, tu sais, sais, pas encore une mais si. François. Bague. Eh bien non, pas du tout. C'est un PC. C'est un Intel Compute Card. Non. Voilà. Donc c'est grand comme ça. Ouais. On va plutôt mais le mettre tu... Face Voilà, tu as une caméra. caméra juste derrière toi, Hop. Hop. Voilà. Hop. Mais alors, voilà. c'est vraiment un format de carte de crédit Mais qu'est-ce que tu as là-dedans quand même Alors, là-dedans, en fait, j'ai à peu près tout ce qu'il y a dans un PC normal pour que ça fonctionne. J'ai un processeur. J'ai de la RAM et j'ai du stockage sur SSD. Une carte graphique aussi Alors, la carte graphique est intégrée au processeur. Le processeur. Voilà. Donc, en fait, ce tout petit module, c'est, on va dire, la tour, on va dire, mais bon, euh, comme on peut le voir à l'arrière, vais hein, vous, vous montrer, euh, la caméra. C'est bon. quoi ce connecteur Voilà, c'est un connecteur, on va pas pouvoir brancher grand-chose, hein, ah. ça. Hein, oh, ouais. Et là, bah, le HDMI, ça ne passera pas. Euh, c'est un truc propriétaire, c'est pas l'USB, c'est rien. Voilà, en fait, c'est les connecteurs qui vont permettre, en fait, euh, après de pouvoir euh, loger donc le l'intel compute card dans différents on va dire contenants, mm -hmm. donc là, ici j'ai amené euh, le premier euh, qui est une espèce de, de base Alors, si on le, veut, le lever voilà. un petit peu. hop, je lève oh, un voilà. petit peu comme ceci. Voilà, on voit ici il y a une fente vide qui va euh, donc permettre d'accueillir en fait, le compute card, et une fois que je vais l'avoir inséré là-dedans, clouc. PC. Là, on, on peut avoir le PC complet avec les ports Voilà, USB, parce que euh, Internet, Odo, etc. Oui, euh... C'est de la triche. Euh, ils ont fait un tout petit PC, mais il faut, faut le mettre dans une boîte qui est beaucoup plus grosse. Alors, tout à fait. Il faut le mettre dans une boîte qui est tout à fait grosse, enfin plus grosse. En tout cas, euh, l'intérêt de ce produit, c'est que un... finalement c'est le PC qu'on va pouvoir balader un peu partout avec soi. Mmh. À la maison, j'ai mon doc, je le branche, et puis imaginons qu'au bureau ou ailleurs, j'ai un PC portable vide. Alors que je n'ai pas devant moi, mais que j'ai vu mmh. hein, au Computex à Taïwan en mai-juin dernier. Euh, voilà Intel avait présenté énormément de coquilles vides dans, laquelle, dans lesquelles on pouvait effectivement glisser cette carte. Mmh. Et hop, en fait, je retrouve tous mes fichiers, enfin tout mon environnement. Mmh. Et puis euh, bah, sur mon PC de bureau, je prends ma petite carte avec moi, je vais la glisser dans mon PC portable. Ben hop, PC portable, je peux aller, je peux la trimballer avec moi, je peux aussi la glisser dans un truc. C'est vraiment 1. plus intéressant que d'avoir juste un disque dur euh, Oui, parce que là, on a bah oui, tout l'environnement. Voilà. C'est comme les, les si les tu avais. Euh, configurations. Voilà. Ah, ton PC avec euh... toi dans la poche. C'est vraiment le, 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 comment dire, le but de ce type de PC. Alors on va être clair. Hein. Pour le grand public, c'est rigolo. Oui. Euh, ça n'a pas forcément un intérêt évident, ah, voilà. hormis, euh, si on est un adepte du travail dans le cloud, par exemple. Mm -hmm. Si on a beaucoup de choses sur Google Drive, etc. Bon bah, on va pouvoir tout à fait se connecter à Internet euh, avec la petite base, puisqu'il y a quand même, j'ai oublié de le dire, mais il y a quand même un module Wi-Fi aussi intégré à la carte et du Bluetooth. Voilà, donc euh, là, la base m'offre la connectique filaire, mais euh, peu importe, la, la carte peut exister dans un PC portable vide. Par exemple, le PC portable sera toute option, comme ouais. un PC portable classique. Et euh, donc, par exemple, si j'ai pas mal de choses dans le cloud, bah, je vais pouvoir aller regarder euh, bah, mes documents, travailler sur mes Google Sheets, mes Google Docs. Euh, bon, imaginons que, euh, bah, je sais pas, moi, euh, j'ai envie de streamer du 4K, elle sait le faire. Il n'y a pas de problème, la carte le supporte, elle ah oui, le décompose, voilà. de puissance. Hein. Elle le décompresse en, en, elle arrive à le gérer euh, de façon donc matérielle, hein, euh, mmh, voilà, hardware, donc, voilà, donc en hardware. Donc ça, il n'y a pas de problème. Donc je vais pouvoir regarder bah, du Netflix en streaming, par exemple, enfin euh, peu importe, n'importe quel service de, de vidéo streaming. Et alors moi j'ai pensé à un truc, je trouvais ça ouais. plutôt sympa. Euh, vous connaissez Shadow? Oh, ouais, bah oui. il bon. va nous sortir le ah. coup qu'on va pouvoir jouer à des jeux en 4K avec ce petit machine. Eh ben, je n'ai pas encore essayé, mais je me dis que... Euh, alors, jouer en 4K peut-être pas quand même, mais je me dis qu'en fait, je pourrais très bien installer le client bien Shadow là-dessus, évidemment. Ouais. Et puis, ben, je le relie en fibre optique ou enfin, en très bonne connexion Internet à la maison. Rien ne m'empêchera de pouvoir jouer à mes jeux situés sur ma machine distante, juste avec ça. Mais bien sûr. Voilà. Bien Donc, bien sûr. finalement, c'est un PC, certes. Il a les entrailles d'un PC de bureautique, mais avec tous les services qui sont en train de se déployer dans le cloud, on va peut-être pouvoir lui donner beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'usage. Mmh. Donc le transforme en machine de machine de Et Intel etc. propose des, des, des scénarios déjà d'utilisation. Alors, alors, ils ont fait le truc. Euh, non, ils il, propose, ils il propose des puis, scénarios euh... d'utilisation qui sont un peu orientés, effectivement, beaucoup plus, on va dire, prosumer, donc euh, à moitié entre euh, ouais, le grand public vrai. et le pro. Mmh. Euh, mais euh, néanmoins, euh, ça, c'est des cartes qu'on peut acheter dans le commerce. Alors. Quoi, la carte oui, la petite carte et même le doc. Voilà, alors, alors, ça, alors ça commence à arriver gentiment. À alors la carte, euh, elle est annoncée au prix de 370 euros toute seule euh, et on va pas se cacher pour l'instant le constat que j'ai fait c'est qu'il y a peu de distributeurs qui jouent vraiment le jeu mm -hmm. en tout cas de gros distributeurs pourquoi mais je pense que ça va arriver bah parce ah, que c'est difficile, oui, difficile à vendre pour l'instant c'est difficile à vendre et puis il faut ouais, l'expliquer oui. finalement ça vient tout seul on va acheter une carte à 310 euros on va rien pouvoir en faire il va quand même falloir s'acheter la station et alors la, la station, station alors je l'ai trouvé 2410... aux alentours non 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 je l'ai trouvé aux alentours de 130 150 euros sur internet ouais. euh, et je pense que très clairement je sais que vous allez aller au CES de Las Vegas. Mm -hmm. euh, je pense que... Euh... Nous, nous qui voulions le cacher. Bah oui, non, bah, en même temps, on ira aussi, euh, toute la rédaction va se déplacer. Hein. <laughs> euh, je pense qu'on va on va avoir des surprises de ce côté-là. Je pense oh, tel ouais. risque peut-être d'annoncer des partenariats, etc. Enfin en tout cas, je croise les doigts pour eux parce que ça pour ce... que ça marche, ouais. il faut que l'écosystème de, de partenaires mm -hmm. joue le jeu. Et donc il faut qu'il y ait des créations de coquilles vides, entre ouais. guillemets, euh, tout autour. Donc Intel peut inventer euh, les, pro les, les prémices, peut dire voilà, moi je vous fournis finalement le moteur, à vous de mettre la carrosserie autour. D'accord. Voilà. Intel avait lancé le NUC déjà. Euh, oui, et petit... puis le Compute Stick aussi, je sais pas si le Vous vous souvenez stick, oui. De grandes clés USB qu'on connecte en enfin, on voit qu format à des euh, USB qu'on connaît. Bah oui, mais en même temps, avec la miniaturisation, les progrès, les progrès qu'on arrive à faire en matière de gravure, etc. On arrive à créer des tout petits PC comme ça. Alors là, François, je sais, tu vas me dire, est-ce que je peux la prendre Non, en fait, il faudrait que je puisse connecter la station pour éjecter la carte, puisque Ah là, c'est mort. Là. Tu peux pas voilà, là, mort, je peux plus hein. vous l'éjecter. Mais en même temps, c'est plutôt pas mal parce que ça évite qu'elle puisse se balader. Oui. Donc, il faut pouvoir brancher la station et puis puis en fait, là, il y a une espèce de petite icône éjection qui apparaît. Faut tapoter deux fois dessus et oui, pouf, la carte sort. Voilà. Bon, voilà. Donc c'est rigolo et ça vient avec une version de Windows aussi. Hein, on va le il y a une licence de... Windows euh, voilà, dans préfère. le prix, dans ouais. les 350 ouais. euros pour la carte, c'est ça 350 euros. Voilà. Alors après, on a en plusieurs. 500 euh... euros ensemble, quoi. Voilà, c'est ça à avec peu le... près. Et il y a plusieurs cartes qui existent. Donc là, moi j'ai, un... moi j'ai eu la version ouais, Core M3, ouais. mais il euh, y a des versions en euh, Celeron qui existent. Donc euh, on va dire entrée de gamme, Pentium. -hmm la M3 qui est là-dedans, ouais. et après il y en a une pour les pros en Core i5. Si en mais c'est pas 5. un vrai gros Core i5, ah c'est ah ouais. un Core i5Y, mais comme ici, enfin hein, c'est oui, vraiment des puces très basse consommation. Euh, une dizaine est minée du Bitcoin avec ça, non <laughs> Bah ah bon. écoute, tu as ans à alors, perdre, oui ah je pense. Oui, je pense que ça va prendre un peu plus de temps qu'avec des, ouais, bon, okay. hein. de des cartes graphiques normales. Mais tu peux essayer. Voilà, c'est ça. Et la centrale ouais. nucléaire, surtout au hein. dos. Oui, Odo. oui ça permet d'alimenter tout En ça. revanche, Eric, pour terminer, tu parles de Shadow, donc euh, de, ce, de ce système qui permet de jouer dans le cloud à des gens en 4K, oui. etc. Mm -hmm. Avec un tout petit truc comme ça. Thomas vient de se, se saigner au 80, notre, euh, notre, l'un de nos réalisateurs qui s'est acheté un super gros PC, une grosse tour. C'est pas très sympa, là. Tu as brisé son week-end. Bah non, pas du tout, parce qu'il est en train de pleurer rouler en boule là, non parce ça. que je sais qu'avant d'acheter son pc il s'est interrogé de savoir s'il ne voudrait pas mieux investir dans shadow ah, il s'était posé la question ouais, je sais. Hein. il était venu me voir pour ça justement ouais. parfait bon shadow enfin, là, euh... il, là, il pleurniche quand même hein. je ne sais pas pourquoi mais enfin, bon. <laughs> Il y a pas de quoi, il est vachement bien son PC. Et Shadow euh, interview de Emmanuel Freund de Shadow à retrouver oui sur 01 TV. Dans village startup. Dans village startup, qui est, startup. Qui est depuis hier, il nous explique Puisque la vie, l'œuvre de Shadow. C'est passionnant. Startup française, hein. c'est Blade. Et c'est génial. Voilà. Et euh, merci beaucoup, Emrys. Merci, Mike. Pas de soucis. Petit Jérôme. détour par la question 01 Orange. Yes. Euh, le petit sondage hebdomadaire. Voiture Alors, autonome, qu'aimeriez-vous faire pendant qu'elle conduit On se projette dans le futur, en 2023, plus besoin de poser les mains sur le volant. La voiture se conduit toute seule. Prendre du bon temps, ben pour 73 d'entre vous, ce qui est logique. Hein. Dormir pour 2 Non, pour 18, 16, 16 pardon. Ouais. Et enfin, troisième position, c'est travailler. travailler. Ça, travailler, c'est un peu moins de succès quand même. Hein. <laughs> je sais pourquoi, je... c'est bizarre. Bon, n'hésitez pas, vous pouvez continuer à voter bien sûr sur tv.com. Ce zéro en live est terminé, les amis. Ouais, merci à Noémie Le marek qui a préparé ce live. Merci à Pierre Tuelin, Thomas romy qui était aux manettes et à la rédaction de ZéroNet, bien sûr, forcément. Portez-vous bien et on sera là la semaine prochaine. Hein ah ben bah c'est fort probable. Bah, là. Écoutez, oui, on sera là. Euh, très bonne soirée à vous toutes et à vous tous. À bientôt. Salut à tous.